La crise du coronavirus. Près d'un million de Canadiens ont demandé l'assurance emploi. Au Québec, nous sommes maintenant à 1339 cas. La frontière entre le Canada et les États-Unis, elle est fermée. Hello, hello. Bienvenue dans le monde après COVID. Fait que c'est le bordel, clairement. Mais on est chanceux dans l'industrie agroalimentaire, là. Fait qu'on on est encore là, puis l'équipe est encore là. L'équipe est encore plus là même parce qu'on travaille comme des malades. Parce qu'il y a une pression sur l'alimentaire, là. Il y a tellement de monde qui veulent acheter des fruits et légumes que les fruits et légumes augmentent en plus de prix. Fait qu'il y a moins de surplus, ce qui est une bonne chose. Il y a moins de déchets. Ça fait que nous, en ce moment, c'est plus dur de trouver la matière première pour la demande qu'on reçoit. En fait. Fait que c'est vraiment un moment étrange de l'humanité. Alors, mais l'équipe est là à 100%. Puis le plus stressant, c'est qu'il faut que je fasse vraiment attention avec tout le team pour qu'il reste sécuritaire. Parce que si une personne dans l'équipe est infectée ou a quelqu'un proche d'eux infecté, il faut que tout le monde tombe en quarantaine. Puis si tout le monde tombe en quarantaine, on ne peut plus produire. Puis là, c'est le bordel, parce que là, on serait plus là, on pourrait mettre du monde à pied, etc. Fait que c'est assez intense, les précautions qu'on prend. Puis voilà, c'est comme un moment d'angoisse et d'anxiété, mais en même temps de cohésion puis d'harmonie. Puis la communauté, l'équipe est tellement forte en ce moment ensemble, puis le monde se tient tellement bien qu'il y a quelque chose de beau en même temps là-dedans. Fait que c'est beaucoup d'émotions. On se rend compte qu'il faut vendre en ligne, les gens nous le demandent. Fait qu'on a vraiment mis la pédale d'accélération sur les ventes en ligne. Fait que là, toute notre équipe qui ne peut plus être dans le magasin pour le pays travaille là-dessus en ce moment. Fait que nos ventes en ligne sortent vraiment bientôt.